running through the city. City on my back, back then ain't nothing changed, but the money on my lap, lap till I'm in the game, game time. Et yo les gens, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les news de NBA 2K16. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, on a eu comme nouvelle info que Tony Parker tout simplement allait être rajouté sur la cover du jeu 2K16. Donc du coup, ce qui fait que pour la sortie en France, on aura 4 covers: James Harden, Curry, Anthony Davis ainsi que Tony Parker. Bon, après, mis à part si vous choisissez la version de Jordan, mais en tout cas pour la version normale, on aura 4 covers disponibles. Après, il y a aussi différents screenshots qui sont apparus. Donc on a pu voir dans un premier temps DeMar DeRozan ainsi que Kyle Lowry. Donc on a pu ainsi voir le nouveau maillot des Toronto Raptors, car oui, ils ont changé de maillot. Et hier, tout simplement, durant le live que 2K a fait sur Twitch, on a pu savoir qu'ils allaient sortir des screenshots par rapport aux trois personnes sur la cover, donc Steph Curry, James Harden ainsi qu'Anthony Davis. Donc voilà, là les trois screenshots défileront sous vos yeux. Et du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. On voit que c'est encore plus poussé et tout. On voit que c'est vraiment les dernières coupes et tout qui sont faites. Enfin voilà, vraiment le réalisme qui est augmenté. Et d'ailleurs, dans les chaussures, on peut voir que c'est un détail qui sera plus... Enfin, les chaussures, elles vont tout simplement être mieux modélisées, comme on peut le voir sur les captures avec DeRozan. Je sais pas si Kyle Lowry, on peut voir ses chaussures, mais en tout cas, pour DeRozan, c'est le cas. On voit qu'elles sont très bien modélisées. Et voilà, donc c'était vraiment une petite vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu. Salut les gens! Justement, avoir différentes news sur le mode Pro-Am. Alors du coup, voilà, je vais justement venir un petit peu parler de ça.